tout le monde, c'est Kiki Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash Royale. Donc c'est également une info, comme la dernière fois. Donc le jeu m'a vraiment gâté, j'ai gagné ce coup magique. Donc je vais vous expliquer un peu ce qui va se passer. Donc ce coup magique, étant donné que j'ai pas les esprits de glace, parce que je viens d'être en arène 8 il y a pas longtemps, quand on a une nouvelle carte, vous savez, elle est souvent en une fois ou en quatre fois. Enfin, elle est pas beaucoup. On n'en a pas beaucoup. Donc, si je l'ouvre maintenant, que j'ai pas les esprits de glace, il va me donner par exemple deux esprits de glace. Et donc, j'aurai probablement pas de légendaire si ça m'arrive. Parce que je pense que vous comprenez que j'aurai pas de légendaire, j'aurai très peu de chance d'en avoir une si je fais ça. Et donc je vais attendre d'avoir les esprits de glace avant de l'ouvrir. Donc là je l'ai débloqué, mais je l'ouvrirai pas. Je l'ouvrirai dès que j'aurai les esprits de glace. Donc ça peut prendre plusieurs jours. Ça peut arriver jusqu'à demain ou après demain. Donc là j'ai ce coffre en argent d'arène 8 qui peut contenir les esprits de glace. Sinon j'ai les coffres gratuits, que je pense que c'est grâce à ça que je vais les avoir. Et les coffres à couronne, mais bon, faut gagner des batailles. Parce qu'en arène 8 j'arrive pas beaucoup à gagner des batailles hein. Regardez, je stagne. Victoire, victoire, défaite, défaite. Victoire, victoire, défaite, défaite, défaite. Je stagne vraiment. Donc voilà, c'est pour vous dire que dans quelques jours, peut-être même aujourd'hui, je vous ferai le pack opening de ce coffre magique. Donc c'est tout, hein. Si t'as aimé la vidéo, lâche un like. Si tu l'as pas aimé, lâche un dislike. Et moi, je vous retrouve pour ce fameux pack opening. Et je te dis ciao, ciao!